34 ans, c'est un âge que vous jugez comment correct pour arrêter sa carrière ou parce qu'on voit de plus en plus les sportifs, grâce à une hygiène de vie de plus en plus irréprochable, de plus en plus travaillée, qui prolongent et qui vont quasiment bâtonner. En ce moment, il y a du handball, Nicolas Karabatic, il a 38 ans. Donc voilà, comment à 34 ans vous jugez pour arrêter votre carrière? Ben non, je sais pas. Après, déjà, on m'a annoncé, en fait, aujourd'hui, il n'y a spécialement rien de fait encore. On est en discussion, mais les médias ont annoncé ma fin de carrière. Donc ça a été un peu plus compliqué pour moi parce qu'aujourd'hui, j'ai même pas eu l'occasion de l'annoncer ou d'annoncer quelque chose. Aujourd'hui, on est en discussion. Il y a rien de fait officiellement. Je dis pas que je suis pas en train de l'étudier et de me dire pourquoi pas et de passer de l'autre côté, mais c'est vrai que, bien sûr, l'âge à 34 ans, j'ai eu la chance de commencer tôt. Je me dis peut-être aussi physiquement je tire. Après, est-ce que voilà les jeunes aussi qui poussent, ça reste le rugby a évolué aussi, c'est de plus en plus dur aussi la semaine. Il faut faire l'hygiène de vie, il faut qu'elle soit impeccable aussi. Donc voilà, le rugby a énormément évolué. Donc bien sûr, c'est des questions que je me suis posées quand j'ai fait cette préparation physique cet été en arrivant au stade français. Et après, c'est de me dire, voilà, aujourd'hui, il faut pousser. Est-ce que c'est le bon moment ou pas, ou je ne sais pas. Mais voilà, il faut que je sois prêt aussi dans la tête de passer de l'autre côté. Est-ce que vous êtes fixé une date butoir, une deadline, Morgan Parra, pour prendre cette grande décision? Oui, bien sûr. J'ai rencontré le futur staff, Laurent et Karim. Et donc aujourd'hui, voilà, on est en train de discuter... Voilà, sur le rôle, si je dois passer de l'autre côté, aujourd'hui le fait aussi, si je décide de passer, de pas faire joker médical et d'aller chercher quelqu'un si Weber, le 9 Neo Z, serait pris. Donc voilà, il y a beaucoup de discussions en cours. Maintenant, on va voir, affiner, mais bien sûr, dans quelques semaines, là, ça sera décidé. Dans quelques semaines.